Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, arrête de juger? Dis à un autre, arrête de critiquer. Maintenant, tu vas dire ceci, alors localise bien la personne à qui tu vas dire. Parce que tu vas choquer la personne. Dis à la personne, arrête d'être sorcier. Je t'avais prévenu que tu allais choquer la personne. Non, mais c'est la sorcellerie. Je vous parle de quelle sorcellerie? Au lieu de gagner les âmes, toi, tu critiques. Regarde comment il s'habille. Regarde ses cheveux. Regarde comment il a ceci. Regarde comment il a cela. Qu'est-ce que tu as fait pour gagner cette âme? Jésus est mort pour cette âme-là. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Je vais entrer dans le prophétique, donne-moi un amen. Jésus est mort sans vêtements à la croix, pas seulement pour dire il s'est déshabillé pour que toi tu sois habillé. Non, il y a une autre dimension. Dis-moi, il y a une autre dimension. Il est mort nu pour que tous ceux qui, devant vos yeux, semblent être nus, c'est-à-dire sont inutiles, sont apparemment sales, sont apparemment sans valeur, sont apparemment sans qualifiés, que ces personnes soient qualifiées devant Dieu. Lorsque toi tu regardes une personne, tu dis, ce genre de personne-ci, comment elle peut être chrétienne? Mon frère, as-tu le mot d'emploi de la chrétienté? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi dans l'église locale, il y a trop d'hypocrites. Tu es devenu hypocrite parce que tu crois qu'être chrétien, c'est mettre une cravate. Il y a des occultes en cravate. Parce que tu crois qu'être chrétienne, c'est mettre une robe jusqu'en bas. Il y a des sorcières en toge. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Être chrétien, c'est dégager la vie de Dieu. Je te réchoque. Même en culotte, dégage la vie de Dieu. En jupe, dégage la vie de Dieu. En robe, dégage la vie de Dieu. Je te réchoque. Avec des cheveux coiffés, carrés, bougie derrière. Dégage. Avec des locks, dégage. Ce qui compte, c'est la vie de Dieu. Celui qui dégage la vie de Dieu, celui-là gagnera les âmes. La lionne n'a pas été mise en alliance pour critiquer les autres bêtes. Elle n'a pas été mise en alliance pour regarder les autres de haut. Gagne les âmes. Celui que tu critiques est une âme potentielle pour Jésus. Si tu la gagnes, peut-être qu'elle va arrêter d'aller dans les boîtes de nuit. Peut-être qu'elle va arrêter de faire la prostitution. Gagne les âmes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On dit tu es une lionne. Et qu'est-ce qui fait de toi une alliance? Une lionne, l'alliance de Jésus. Sur terre, tu n'es pas appelé à vivre dans la faiblesse. Tu es une lionne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il peut arriver que tu traverses des moments compliqués, mais tu es une lionne. Tu finis par te relever parce que l'Éternel est avec toi. Ne te sens jamais abandonné. Ne doute jamais de la présence de Dieu. Si tu es en alliance avec le Christ, tu es une conquérante. Que Jésus te l'accorde. La lionne ne mange pas ce que les charognards laissent. La lionne ne mange pas ce que les autres bêtes abandonnent. La lionne chasse la viande fraîche. C'est ce qu'il consomme. L'église locale, toi donc, tu dois arrêter de consommer ce que les autres ont laissé. Les miettes, la pourriture. La pourriture et les miettes, ce ne sont pas pour toi. Je suis d'accord avec toi. Toi, tu es appelé à vivre la grâce de Dieu. Les miettes et pourriture, c'est quoi? Mon frère, tu ne seras pas glorieux sur terre seulement dans le péché. Tu n'as pas besoin de la saleté. Tu n'as pas besoin de la nourriture laissée par les autres. Pour arriver à ce poste-là, madame, mademoiselle, tu n'as pas besoin d'écarter tes jambes. Tu n'as pas besoin du péché. Non, non, ici, c'est ça ou rien. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas ton diplôme. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas ce poste. Restez avec le poste en 2023, je l'aurai en 2026. Est-ce que ça localisait quelqu'un? J'aimerais que les personnes qui ont la foi ne me donnent pas des amens de slogan. Tu me donnes un amen de celui qui a compris et qui décide de vivre selon ta nature spirituelle. Pas des amens slogans. Bien aimé, la lionne ne mange pas les déchets. Quand le léopard vient, il mange et puis il laisse la carcasse. La lionne vient, elle ne prend pas ça. Elle va aller prendre la viande fraîche. Le péché ne hisse pas. Le péché avilit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas d'honneur que d'avoir un poste par le péché.
la corruption, la malhonnêteté. Tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu attends Jésus, avec lui, ça marchera. Je suis d'accord avec toi. Toi, tu vis selon les principes de Dieu, avec lui, ça marchera. Même si ça prend 15 ans, attends les 15 années, Dieu est en train de te façonner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça ne sert à rien d'avoir un poste ou d'avoir des diplômes ou encore d'avoir des biens alors que toutes ces choses sont passées par des voies sales, par des voies honteuses. Comment tu lèveras la tête pour marcher? Mais c'est une fierté que d'avoir le peu que tu as avec Jésus, ton intelligence ainsi que tes talents. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, le diable veut détruire la plupart des chrétiens, incapables d'attendre, impatients. J'ai déjà 40 ans. Et alors, c'est Jésus qui donne les années. Et la phrase que je déteste, supportez-moi, ça, vraiment, je déteste cette phrase. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je n'ai rien fait. Quand tu dis que tu n'as rien fait, c'est que tu te compares à quelqu'un. Tu te compares à qui? Tu n'as rien fait par rapport à qui? Tu es dans ton couloir. Aime ta vie. Je veux te dire une chose. Parmi les éléments qui permettent à un homme de foi, une femme d'alliance, d'avancer, en dehors de ses dons, talents, intelligence et le Saint-Esprit, c'est sa capacité d'aimer sa vie. Tu dois aimer ta vie pour que l'huile te suive dans la brousse. Commence par aimer les brebis que tu es en train de paître. Est-ce qu'un élu a entendu? Quelqu'un qui lit la Bible a compris. Commence par aimer les brebis que tu es en train de paître. L'huile te suivra dans la brousse. Toi, tout ce que tu es, tu n'aimes pas. Oh, je suis en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Tu es en retard par rapport à quoi? Tous les jours, nous avons le téléphone. Nous sommes des fois brisés, déçus de voir combien de personnes meurent très tôt, très vite. Dernièrement, j'ai vu une très belle femme qui n'a fait que, je crois, 45 jours dans le mariage. Et elle est morte. C'est quoi ça? Ça fait tellement mal. Une très belle femme. Tu regardes, tu dis, mais comment? Comment? Parce que la mort existe. La mort existe. Qui te dit que te marier, c'est ça la garantie de ta paix? Elle s'est mariée. Mais aujourd'hui, elle est en bas. Chacun son couloir. Commence par aimer ta vie. Il y a même des chrétiens qui sont frustrés dans la vie chrétienne. Pas parce que Dieu n'agit pas, mais parce que vous êtes incapables d'aimer votre vie. Sois content avec ce que Dieu te donne. Commence par aimer ta taille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, tu dois commencer par... Attendez, mais oui. Même les psychologues païens disent, avant d'aider quelqu'un, il faut d'abord apprendre à cette personne à s'aimer. Aime ta taille. Ne te sens pas trop court, trop long. Tu es parfait. Mon frère, moi j'aime ma taille ici à un niveau. Ça veut dire même toi-même tu seras dépassé. Ça veut dire toi-même tu seras dépassé. Des fois quand je demande à mon mari de venir prendre quelque chose pour moi, dans le placard du haut, je lui dis, Annie, est-ce que tu peux venir? Il me dit oui, pourquoi? Viens un peu utiliser ce que le Seigneur t'a donné. Et quand il vient, il me dit, ah vraiment, il prend, il me dit, mais c'était pas loin. J'ai dit, mais c'est ça les choses. Toi, tu prends loin, moi je suis en bas, je vois très près. Mon frère, il faut toujours avoir la psychologie du verre à moitié plein. C'est tout. Oh non, le verre là, il est à moitié vide. Il n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Prends toujours les choses du bon côté. Ce sont les hommes qui aiment leur vie que Dieu propulse. Ce sont les hommes qui aiment ce que Dieu fait avec eux que Dieu propulse. Aime ce que Dieu fait avec toi. N'envie pas le voisin. Bénis le Seigneur pour ce qu'il est. J'ai dit, tu es une lionne, tu ne manges pas les déchets. Tu ne vas pas passer par le péché pour monter comme Dieu t'avait promis. Tu ne prendras pas Agar, Isaac arrive. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tu ne prendras pas Isaac est là. Wait, wait, attends. Dis à quelqu'un, attends. Parle-lui bien, surtout si c'est un jeune. Parle-lui bien. Dis-lui, attends. S'il est près de toi, secoue-le un peu le pôle. Dis-lui, attends. Attends. Sois calme. Arrête de courir. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Est-ce que je peux parler? Vous savez, l'ambulance, normalement, pas comme ce qu'on vit chez nous ici, mais normalement, l'ambulance, quand ça arrive, c'est vert, n'est-ce pas? On laisse le chemin, on fait passer, il est pressé, il est toujours pressé. Mais généralement, quand l'ambulance arrive, il n'arrive pas avec 5-7 personnes. Il arrive avec combien? Une seule personne. Il est pratiquement vide. Alors fais attention. Tu es trop pressé, tu risques d'arriver avec peu de choses. Ah, tu n'étais pas encore arrivé, hein? Tu risques d'arriver à un point de ta destinée, mais tu n'as pas tout ce que Dieu t'avait promis. Tu es trop agité, tu es trop pressé. Tu veux aussi faire des photos et mettre sur Facebook que tu étais dans un avion. Mon frère, l'avion est un moyen de transport. Tu vas tuer les gens, tu vas t'agiter. Les jeunes, qu'est-ce qui vous arrive? Vous risquez de toucher à des choses bizarres. C'est comme ça qu'on vous appelle, on vous dit, venez lire les psaumes, vous allez activer l'onction. Il n'y a pas de psaume à lire pour activer l'onction. L'onction de Dieu est activée par la sainteté. Donne-moi un amen normal. Vis dans la sainteté, par le Saint-Esprit. L'onction va bouillonner. Pourquoi vous vous agitez? La patience, le calme t'amènera là où tu dois arriver. Que Jésus t'aide. Pas de saleté pour la lionne. Dans le parcours de la lionne, il y a l'apprentissage, il y a la vallée et il y a également la célébration. Ces trois choses sont inséparables. Toute lionne vivra cela. Mon frère, ma soeur, tu es l'épouse de Jésus, donc tu es une lionne. Tu vivras l'apprentissage. Il y a un temps où Dieu veut t'apprendre des choses. Il y a un temps où Dieu veut que tu t'asseyes, que tu apprennes. La semaine, on a dit apprendre, c'est l'humilité. Savoir qu'on ne sait pas tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des moments où le Seigneur va t'empêcher d'aller trop vite parce qu'il veut que tu apprennes. Il va te calmer. Que tu restes d'abord à un seul endroit. Que tu apprennes. Il y a des personnes très bizarres, je vais les appeler comme ça, ou les qualifier comme ça. Très bizarres, étranges, difficiles, que Dieu mettra à côté de toi. C'est pour que tu apprennes l'apprentissage. À un autre moment, la vallée va venir. Oh, je dis à quelqu'un, j'aime la vallée. Je te choque, mais c'est vrai. J'aime la vallée. Pourquoi? La première raison pour laquelle moi, Joël, j'aime la vallée, c'est parce que je suis seul. Et j'aime les moments où je suis seul parce que j'entends Dieu comme il veut me parler. Les moments où je suis seul avec Dieu, ce sont les moments où je peux évaluer la qualité de ma relation avec Dieu. Les moments où je suis seul. La vallée ne te tue pas. La vallée t'aide à réaliser que Jésus est le seul. Je reprends ça. La vallée, les difficultés, les problèmes que tu vivras, ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas pour t'achever. C'est pour que tu apprennes que Jésus est seul. Même si tu es entouré, mais en réalité, Jésus reste le seul. Il reste le seul excellent dans tous les domaines. La vallée ne doit te faire jamais douter de Jésus. Je dis, ne doute pas de Jésus. Oh mon Dieu, je suis venu comme un messager qui parle à ton cœur. Ne doute pas de Jésus. Même s'il arrivait que vous ayez tellement de problèmes dans votre famille, dans votre foyer, au point où vous êtes obligé d'aller encore dans la famille, dans la maison familiale, où tu te sens diminué, tu te sens pétifié. Oh, Jésus ne te pétifie pas. La vallée est en train de faire de toi une femme, un homme différent. La vallée est en train de te fortifier. Même si tu as fait de grandes études, mais aujourd'hui tu n'as pas de travail. Et les gens ont l'impression que tu quémandes à gauche, à droite. Je dis à quelqu'un, ne doute jamais de Jésus. Jésus est là, il est en train de t'amener à réaliser qu'il n'y a que lui. Il y a des gens dans cette salle, oui je le crois Seigneur, que les personnes que Dieu fera arriver au sommet. Tu n'es pas encore au sommet. Au sommet de ta destinée, tu n'es pas encore là. Oui, peu importe ton titre, tu n'es pas encore là. Dieu te fera arriver là-bas. Mais quand tu arriveras, toi, tu n'abandonneras pas Jésus. Toi, tu seras... Toi, tu auras des galons, mais tu balayes l'église. Toi, tu auras des galons, mais tu fais le service d'accueil. Parce que tu as traversé la vallée avec Jésus, tu sais qui est Jésus. Tu ne seras pas comme ceux-là
une toute petite, non, on va pas dire ça comme ça, un semblant d'élévation. Le dimanche, il va jouer au golf. Il n'arrive même pas à jouer parce qu'il ne sait même pas jouer. Son papa n'a pas joué. Son grand-papa. Même tenir la batte là, il ne sait pas tenir. Mais pourquoi? Parce que je suis dans un certain milieu. Le dimanche, on joue au golf. Le dimanche, je fais de le jogging. Papa, depuis que tu as commencé à faire ton jogging là, tu ne maigris pas. Regarde comment tu es. Au lieu de venir à l'église, non, vous voyez ça? Est-ce que je peux choquer? Vous êtes sûr? Si le voisin quitte l'église, je veux choquer en disant ceci. La vérité, c'est que les personnes qui ont ce genre de comportement ont deux origines. Soit elles ont été très mal enseignées par rapport à la parole de Dieu, aux valeurs chrétiennes, ou encore, ce sont des personnes qui ont découvert la richesse ou l'argent en retard. Je choque, hein? Ça veut dire, il y a eu un petit retard dans ta découverte des billets verts. Tu as grandi avec les francs congolais, francs congolais, francs congolais. Arrivé à 30 ans, ouh là là, tu commences à voir Franklin. Et là maintenant, tu te dis, c'est ça la vie. C'est ça la gloire. Alors que si quand tu étais petit, ah, il y a des papas aussi qui ne sont pas gentils. Hein. Si quand tu étais petit, ton papa même de temps en temps te donnait un petit 5 dollars, va à l'école, c'est pour le goûter. Tu n'allais pas avoir ce comportement-là. Ce comportement, tu l'as parce que tu découvres quelque chose alors que c'est une chose qui est en réalité normale. L'argent ne transforme pas le comportement des hommes. Non, l'argent fait ressurgir le comportement des hommes. Il était comme ça. Oh non, il est devenu orgueilleux. Hein? Ah, papa, maman, vous avez remarqué, le frère là est devenu orgueilleux. Papa, maman, il n'est pas devenu orgueilleux. Il n'était pas humble aussi. Il manquait. Ne confondez pas l'humilité et la pauvreté. Prends ça comme ça. Donc quand on connaît Dieu, quand on a été bien enseigné dans une église, lorsqu'on a compris qui est Jésus dans la vallée, l'argent c'est rien. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? L'argent c'est... J'étais en train de dire, je ne sais plus c'était où, mais en tout cas je te le dis aussi. J'étais en train de dire ceci. La plupart des gens disent... Moi, j'ai grandi seul. Moi, j'ai grandi ceci. Chacun a son expérience et chacun a sa vie. N'est-ce pas? Mais moi, j'ai une autre expérience qui m'a permis d'aimer Jésus à ma manière. J'ai une expérience comme celle-ci. Où, adolescente, j'avais papa, j'avais maman. J'avais tout ce dont une fille de mon âge pouvait rêver. Mais je manquais quelque chose. Et je ne comprenais pas d'où venait ce manque. D'où venait ce vide? Mon père des fois me disait, mais qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin de quoi? Tu veux voyager? Non. Mais j'ai quelque chose qui me manque. Et à certains moments, j'ai des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Les limites de l'argent. J'ai des problèmes que la maman qui m'aime beaucoup ne peut pas résoudre. J'ai des problèmes que mon père qui était presque 100% père, ne peut pas résoudre. C'est là que je me rends compte qu'il doit avoir quelqu'un qui a les paroles que papa et maman n'ont pas. Il doit avoir quelqu'un qui est plus fort que l'argent. Il doit avoir quelqu'un qui doit me guérir de certaines choses dont l'argent n'a pas pu guérir. Et c'est là que tu dis, Jésus est différent. La vallée de l'ombre de la mort ne doit jamais te faire croire que Dieu t'a oublié. Il ne t'a jamais oublié. D'ailleurs, si tu tiens dans la vallée, c'est parce qu'il est devant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peu importe ce que tu vivras, c'est parce que Jésus est devant que tu tiens encore. Ne lâche pas Jésus. La vallée fait partie des parcours des lionnes. En sortant de là, tu auras un témoignage.
Tu dois avoir un témoignage. Tu dois savoir quoi dire. Je dis à quelqu'un, laisse à tes enfants les dieux de ton expérience. J'étais en train de dire quelque part, je te le dis aussi. C'est bien de dire le Dieu de Joël, mais ça c'est mon Dieu. Où est ton Dieu? Parle-moi aussi de ton Dieu. Parce que quand tu parles de ton Dieu, tu parles du Dieu avec qui tu as vécu des choses extraordinaires dans la vallée. On l'appelle le Dieu d'Abraham parce qu'il a gardé la foi. On l'appelle le Dieu d'Abraham parce qu'il a eu Isaac dans la vieillesse. Mais il fallait qu'il attende pour avoir cet Isaac. Tu auras aussi ton témoignage. Mais tu dois passer par la vallée. Est-ce que quelqu'un m'entend? En passant par la vallée, les chrétiens n'aiment pas. Ils abandonnent l'église, j'entends, surtout les femmes, elles aiment ça. Madame, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Pasteur, j'ai trop de problèmes. Mais quand on a trop de problèmes, qu'est-ce qu'on doit faire en réalité? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire en réalité? Lorsque ça ne va pas dehors, on cherche où se cacher. Et l'église locale est le lieu de refuge que Dieu a créé depuis la croix. J'ai dit à une âme, que ta vallée ne te fasse pas abandonner Jésus. Dans la vallée, encourage-toi toi-même. Non, je cherche le numéro du pasteur, je ne l'ai pas. Mon frère, jusqu'aujourd'hui, tu es frustré pour des choses comme ça. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Mon frère, c'est archaïque. C'est archaïque. Tu ne peux pas abandonner ta foi parce que le pasteur n'a pas décroché son téléphone. Parce que le pasteur n'est pas disponible. Parce que le pasteur ne répond pas au message. Parce que le pasteur... Non. Là, le voile est déchiré. Tu es une lionne, le voile est... Entre là-bas, parle à papa. Dis à papa, papa, pasteur Joël est en retard. Toi, tu dis quoi? Et lui va te dire, ce n'est pas le pasteur Joël ton papa, c'est moi ton papa. Je veux agir sur ta vie parce que je suis ton Dieu. Donne-moi un amen normal. Dans la vallée, cherche Jésus. Cherche Jésus, c'est lui le garant de l'alliance. Et n'abandonne pas. Le diable va accumuler, comme je le disais, je crois que c'était quand, c'est jeudi je pense. Le diable va accumuler des échecs. Il va accumuler des échecs. L'échec ne sera pas de ton côté. Parce que tu sais que tu es une lionne. Que l'Éternel te donne la victoire. Même si le serpent brûlant, vous vous rappelez du serpent brûlant avec Moïse, le peuple d'Israël, même si le serpent brûlant vous mordait, regardez au serpent des reins. On ne lâche pas. On ne regarde pas Moïse. On regarde le serpent des reins. On ne regarde pas Aaron. Regardez le serpent des reins. Focalisez-vous sur Jésus. Que les hommes qui sont dans cette salle me donnent un amen. Que les femmes qui sont dans cette salle me donnent un amen. Captez-moi bien. Lorsque vous souffrez, vous avez mal, vous avez des douleurs émotionnelles, focalisez-vous sur Jésus. Oh, n'accuse pas ton mari, ne dis pas il ne m'aime pas. Ma soeur, là où tu voudrais qu'il t'aime, là, il ne peut pas arriver. N'accuse pas ta femme, ne dis pas qu'elle ne m'aime pas. Là où tu voudrais qu'elle t'aime, elle ne peut pas arriver. C'est un domaine privé. Ça appartient à JC. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça appartient à Jésus-Christ, il ne peut pas arriver là-bas. Il y a certaines paix que tu recherches auprès des hommes. Ils ne peuvent pas donner, c'est un domaine privé. Là-bas, c'est Jésus qui arrive. Que l'Éternel te donne la victoire. Jésus est le serpent de rein. Regarde le serpent de rein. Réfléchissons. Pourquoi lorsque le serpent brûlant morde le peuple d'Israël, Jésus prend l'image aussi d'un serpent? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas sauvé ce peuple par une autre image? L'agneau, le lion, l'aigle. Parce qu'en réalité, Jésus a envie de te dire, lorsque tu es dans la douleur, c'est dans la même douleur, je ne changerai pas de forme. La même douleur, c'est celle-là qui te célébrera. Si tu as beaucoup été humilié parce que tu manquais d'argent, c'est dans ça que tu seras célébré. Oui. C'est en nourrissant tes frères que tu seras célébré, comme Joseph. Si tu as été humilié parce que les hommes ne pouvaient pas t'aider, tu as été diminué, tu manquais de tout, c'est dans ça, dans le même domaine, que tu seras célébré. Le serpent de rein va guérir tes blessures. Le serpent de rein va en même enlever la douleur. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, ne te déplace pas.
Je parle du lieu de ta souffrance. Ne bouge pas. Reste là. Ne lâche pas Jésus. Au même endroit, le témoignage sortira. Il faut que le témoignage sortira. Le serpent des reins, je dis le serpent de reins. Dis à un frère, il doit se transformer en serpent des reins. Reste là. Ne quitte pas ton poste. Ils se sont moqués de toi, pourquoi? Ça sera le langage du témoignage. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ils t'ont rejeté pour quelle raison? Ça sera le même langage du témoignage. Ils iront te chercher pendant qu'ils ne sauront pas. Oh mon Dieu, je lance la prophétie. Ces personnes vont te chercher alors qu'ils ne sauront pas. Quand tu es cherchant, c'est toi qui deviendras chef. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est le Dieu qui nous fait grâce et nous fait de nous des lionnes sur la terre. L'alliance de la lionne est une alliance particulière. Job 37, 12. Il est écrit, il est fait tourner en tout le sens. Je suis dans la version parole de vie. Selon ses projets, ainsi, ils accomplissent tous ses ordres dans le monde entier. Je reprends l'écriture. Il les fait tourner tous dans un sens, selon ses projets. Ainsi, ils accomplissent tous les ordres dans le monde entier. La parole de Dieu est en train de révéler que c'est Dieu qui permet ce que vous vivez. Et en réalité, vous êtes en train de vivre les ordres du Seigneur. Ce que tu vis, c'est l'ordre de Dieu pour ta destinée. Je suis d'accord avec ton amen. Moi-même, quand j'avais lu l'écriture, j'avais dit amen trois fois. Ce que tu vis dans ta destinée, avec tes enfants, ta famille, c'est l'ordre du Seigneur pour ta destinée. Voilà pourquoi quelqu'un a pu dire avec fierté, tout concourt. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, dans ta vallée, dis-toi ceci, ce que je vis, c'est l'ordre de Jésus. Jésus veut que je traverse ça. L'humiliation que j'ai vécue, c'est l'ordre de Jésus. Il dit, tous accomplissent sa parole, sa volonté. L'Éternel fera ces choses pour que tu saches qu'il est celui qui veille sur toi. Je suis d'accord avec toi. Ce que tu vivras sur terre va manifester la gloire de Dieu. Tu ne quitteras pas la terre sans qu'on dise l'Éternel a été avec lui. Ça localise ta maison et tes enfants. Tu ne quitteras pas la terre, tu quitteras la terre comme une lionne. On dira l'Éternel a marché avec cet homme. On dira la gloire de Dieu a accompagné cette femme. On dira on ne croyait pas, mais finalement, il y a une grâce qui s'est manifestée sur cet homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne cherche pas à avoir une vie simple et ordinaire, ce n'est pas ta vie. Toi, tu as la vie d'une lionne. Ça sera difficile, mais tu témoigneras. Ça sera compliqué, mais tu célébreras. Ça sera bizarre, mais c'est toi qui auras le témoignage. Le combat viendra, mais tu as la médaille. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. C'est toi qui as la médaille. Tu as déjà la médaille du combat. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu as déjà la médaille du combat. Il faut seulement que tu sois capable maintenant de nous prouver que tu as vaincu. Mais la médaille est déjà dans le tiroir. La médaille porte déjà ton nom. Ça ne finira jamais comme ça a commencé. Ça doit finir par des célébrations. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ça doit finir par des célébrations. Ça ne finira jamais comme ça. Même si ça commence bizarrement, ça finira pas. Vous savez, il y a, c'était quel match là? C'était quel match que le Léopard a joué avec une équipe, j'ai même oublié. C'était quelle équipe où on a marqué 3 buts? J'ai oublié. Non, c'est pas celui-là. Il y avait un autre match. Ça fait quand même un peu longtemps. Mais j'ai oublié, c'était avec qui? Ils ont marqué. Vous savez ce que moi j'avais fait? J'ai coupé cette partie-là. La partie-là, quand je l'ai coupée, c'était par penalty. Maintenant, il y avait les adversaires qui devaient d'abord jouer. Ils ont joué 2 fois, ils ont raté. Et puis nous, on a joué, on a marqué. Maintenant, moi, j'ai coupé seulement là où d'abord, ils ont raté. Et j'ai mis ça comme sonnerie. Donc, quand tu m'appelles pour la prière, c'est ce qui sort. Et ça commençait par quoi? Par ceux qui ont d'abord. Et des fois, même quand tu m'appelles, ça sonne longtemps. C'est parce que je regarde les bouts du match, là.
je savoure. Je regarde, je dis voilà, voilà. Il lance, raté. Là, toi, tu m'appelles, hein. Pasteur Joël, Pasteur Joël. Et à un moment donné, maintenant, c'est notre tour. Je sais qu'ils vont marquer. Parce que j'ai déjà vu ça. J'ai même bien coupé. Écoute, tu vois, quand tu pleures beaucoup là, quand tu te plains partout, tu sais que tu es en train de gaspiller les témoignages. Tu gaspilles le témoignage. Même les anges sont au courant de comment ça va finir. Il n'y a que toi qui ne sais pas. Mais les anges ressemblent à nous qui regardons un match en différé. Les anges savent que ça va finir par un bon témoignage. Alors quand toi tu vas te plaindre à gauche, à droite, vous savez, ma vie. Mon frère, tu es en train d'effriter le témoignage. Parce que même si Dieu fait des bonnes choses, moi je vais te dire, ah Dieu a fait, mais tu as trop pleuré hein, toi aussi. Tu as trop pleuré. Mais tu dois avoir la carrure de celui qui témoigne sans fissure. Ça te localise là où tu es. Tu témoigneras en 2023 sans. C'est-à-dire quand tu témoignes, les hommes vont dire, ah bon, tu as vécu ça? Oh, nous on était avec toi à l'église pendant cette... Ah bon? Non, dis-nous d'abord, explique un peu. Toi, celui qu'on voyait là chanter avec joie, tu te servais à l'église. Toi, tu as vécu... Oui, moi j'ai vécu ça. Ah bon? Et Dieu a fait. Dieu a fait. Les vaillants sont là. Et ces vaillants vivront cela. Un témoignage entier. Que quelqu'un dise un témoignage concentré. Bien concentré. Oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Ça m'a rappelé une chose que ma mère me faisait. Que ça m'a mortifié ce qu'elle me faisait là. Mon frère, quand on est enfant. Hein. On a aussi la souffrance des enfants. Que quelqu'un me dise la douleur des enfants. Oui, c'est ce que des fois tu fais dans la vallée. Ça veut dire qu'il y a des problèmes, tu te lamentes, tu te plains. Où est Jésus? Où est Jésus? Mon frère, ce sont des douleurs des enfants ou les douleurs d'enfants. Si seulement tu savais ce que Jésus a préparé pour toi. Il a préparé un témoignage bien concentré. Il a préparé un témoignage, que ça tombe sur quelqu'un, qui va permettre aux âmes d'être gagnées autour de toi. Il y avait quelque chose que ma mère me faisait quand j'étais petite. Je te dis, à 7, 8 ans, 9 ans, même jusqu'à 10 ans, ça m'a mortifié. Des fois même, j'ai regardé, j'ai dit, c'est pas ma maman. Ça vous est déjà arrivé? Si ça ne t'est pas encore arrivé, c'est que tu n'étais pas adolescent. Tous les adolescents se sont déjà dit, ça c'est pas mon papa. On m'a adopté. Je te dis. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Moi, j'allais. Déjà qu'elle m'obligeait de faire mon petit déjeuner à 8 ans, 9 ans, c'est que je n'aimais pas. Mais quand j'allais le faire, je me focalise. Je localise la boîte de lait. Je la mets là. Non, j'organisais. Hein. Je mets déjà tout d'abord. Après, je prends mon gobelet ou ma tasse. Je fais mon lait. Ça veut dire, quand je fais ce lait-là, la méditation est dessus. Ça veut dire, même toi, quand tu es concentré, tu ne peux pas être concentré comme ça. Je suis concentré. Je fais mon lait avec mon cœur, mon âme. Et quand j'ai fini, je mets sur un plateau maintenant avec mon pain, bien beurré, correctement gonflé. Quand je m'aimais, je prie. Quand j'ai fini de prier, ça veut dire, quand je priais à 8 ans là, tu pries pour le pain, mais là, ton cerveau est dans les pains. Tu vois un peu ça, non? Quand je finis, amen, elle est devant moi. Je regarde, je dis, maman, tu veux quelque chose? Je dis, oui, ton lait. Dis, maman, le sucre c'est là-bas, le lait c'est là-bas, tout est disponible. Dis, donne-moi ton lait. Je vous dis, elle m'a fait ça pratiquement toute mon enfance, traumatisée. Et un jour, j'avais je crois 13 ans, je lui ai dit, maman, est-ce que vraiment je peux savoir pourquoi tu m'arraches mon lait? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Un jour, tu comprendras. Point. Il y a quelqu'un maintenant qui dit, maman, tu as compris quoi? Rien. Mais tu vois, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu te plains alors que Dieu sait qu'il te prépare. Ça n'a rien à voir avec ce que tu souhaites vivre aujourd'hui. Ne te plains pas pour ce que tu vis aujourd'hui. Ce que tu vivras demain sera plus grand. Je suis d'accord avec toi. Lisez avec moi, s'il vous plaît, Exode 19, 4. Et on va s'arrêter là.
Exode 19, 4. Si nous pouvons trouver cette écriture, nous allons tous lire Exode 19, 4. Vous l'avez trouvé? D'accord, c'est parfait. Exode 19, 4. Il est écrit, on y va? Amen. L'Égypte est l'image du monde. Dans la parole de Dieu, c'est l'image du monde. Le Seigneur est en train de parler de la fin. Comment le monde sera condamné? Comment est-ce que le monde sera dans la perdition? Et comment Dieu va sauver ses aiglons? Lui comme un aigle, il va sauver ses aiglons par l'enlèvement. Pourquoi? Parce que nous avons une autre vie. La vie, elle ne s'arrête pas ici. On n'a qu'une seule vie. Faux, on a deux vies. Oui, nous les enfants de Dieu, nous avons deux vies. Et d'ailleurs, même les païens, ils ont aussi deux vies. Ceux qui ne connaissent pas Jésus ont deux vies. Après cette vie, ils vont aller quelque part qu'on appelle enfer. C'est triste, mais c'est comme ça. Nous avons deux vies. L'alliance de Jésus a fait de nous des lions et des aigles. La vie terrestre et la vie céleste. Tu es un aigle vivant sur terre. Pendant que tu es sur terre, tu es dans la peau d'une lionne. Mais bientôt, au son de la trompette, tu deviendras un aigle. Tu as une vie céleste, une vie éternelle. Je veux dire à quelqu'un, mon frère, tout ne s'arrête pas ici. Fais attention avec cette vie. Amen. Moi-même, je dis amen. Tout ne s'arrête pas ici. Tu veux te marier, pas de problème. Marie-toi, fais des enfants. 45 si tu veux. Mais tout ne s'arrête pas ici. Un jour, tu seras obligé de te retrouver devant un choix que tu avais fait toi-même. Soit tu vas dans la félicité de Dieu, soit c'est l'enfer. Je dis à une âme, le ciel est une réalité et une vérité qui arrive. Ne vis pas sur terre comme si tout s'arrêtait ici. Protège l'alliance avec Jésus. La meilleure des alliances, préserve-la. Parce qu'elle te garantit aussi le ciel. Après cette vie, il y a une vie. Mon frère, même si on déclare sur toi longévité, même si tu arrives à 200 ans, tu finiras. Et donc, tu dois préserver la vie après cette vie-ci. Cette vie, elle est éphémère. Cette vie est définie. Mais la vie éternelle est éternelle, comme on le dit. C'est l'alliance de Jésus qui nous permet de vivre une vie éternelle. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas venir à l'église. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas grandir dans une église. Il y a même des gens qui ont commis des erreurs en train de dire, je suis enfant de pasteur, donc j'ai donné ma vie à Jésus. Non, mon frère, moi j'ai expérimenté ça, on peut être enfant de pasteur et être païen. Donner sa vie à Jésus, c'est accepter Jésus dans sa vie et devenir enfant de Dieu. Tu donnes ta vie à Jésus et tu vis comme un enfant de Dieu. Tu vis à l'image de Jésus. Mon frère, qu'on ne te trompe pas, un jour tu seras obligé de te tenir devant le roi de gloire. Un jour, tu seras obligé de te tenir devant celui qui tient toutes les vies. Un jour, tu seras obligé de vivre soit au ciel, soit en enfer. J'ai l'habitude de dire, l'enfer n'a pas été créé pour les âmes humaines comme les nôtres. L'enfer a été créé pour un esprit éternel qui est comme le diable. C'est un lieu qui a été créé pour lui, mon frère. Toi, tu ne vas pas supporter ça. C'est pourquoi la Bible dit que la douleur sera atroce. Il n'y aura pas de mort. Imagine-toi, tu souffres mais tu ne meurs pas. Tu souffres atrocement, mais tu ne meurs pas parce que la mort ne te connaît pas. La mort elle-même, elle est aussi jetée là-bas. Ma sœur, le ciel existe. Le ciel est réel. Préserve l'alliance avec Jésus. L'alliance avec le voisin là que tu préserves. Si ça va t'amener à abandonner les valeurs chrétiennes, éloigne-toi de cette alliance. Accroche-toi à Jésus. Après cette vie, il y a une autre vie. Donne à tes enfants les ciels, vous vous verrez quelque part. Je n'ai pas entendu les amens. Oui, l'église d'aujourd'hui, c'est devenu comme ça. Les églises locales aiment lorsqu'on dit, tu vas voyager pour le Canada. Mais quand on te dit, garde ton ciel, tu me regardes comme si je te parlais de quelque chose qui n'allait jamais arriver. Mon frère, le Canada, ce n'est pas le ciel. Au Canada aussi, les gens meurent. Au Canada aussi, les gens souffrent. La maladie incurable existe. Mais il y a un seul lieu. Là où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de blessure intérieure.
C'est le ciel. Le ciel. Le ciel est une réalité. Mon frère, le ciel existe. Jésus est venu pour que tu aies la vie. Mais Jésus, pourquoi tu ne dis pas « Quiconque croira en toi sera fort sur terre et puis il aura la vie. » Non, Jésus se focalise sur ce qui est essentiel. Ce qui est terrestre, c'est trop facile pour Jésus. Ce n'est pas compliqué pour lui. Imagine-toi que même à la croix, aucun aigle m'écoute. Même à la croix, pendant qu'il agonisait, il regarde un brigand. Il lui dit « Aujourd'hui, c'est rien pour Jésus. Je veux te parler de toi, moi. Que Jésus fasse de toi un homme riche, c'est rien. » Je t'assure, c'est rien pour lui. Qu'il te donne ce que tu veux, des maisons et tout ce que les hommes cherchent, pour Jésus, c'est rien. À la croix, il a pu regarder un brigand et il lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Pourquoi il ne lui a pas dit, « Tu as raison, quand je reviendrai, je penserai à toi. » Non, il a voulu démontrer qui il était. Il est capable de faire entrer au paradis quelqu'un qui n'a jamais fait de cure d'âme. Quelqu'un qui n'a jamais eu le baptême. Mon frère, toi si tu viens aujourd'hui, je vais te dire qu'il faut te faire baptiser. Parce qu'un enfant de Dieu doit... Mais lui n'a jamais eu de baptême. Il va où? Très bien ma soeur, j'aime ta réponse. Jésus lui dit aujourd'hui, Jésus qui parle? C'est un brigand. Ce brigand-là, il a violé certaines filles sur la terre. Ce brigand-là, il a tué certaines personnes sur la terre. Jésus, tu l'amènes où? Non, il est le pouvoir de la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une manière aussi de dire, même s'il a été brigand sur terre, si à un moment donné, il est conscient de ma personne, le ciel est pour lui. Et au ciel, c'est là où il y a la véritable gloire. Mon frère, toutes les gloires que tu peux chercher sur terre, tu vas les laisser. Aucune gloire n'entrera avec toi dans ta tombe. Aucune. Même ton mari n'entrera pas. Que les femmes mariées ne regardent pas leur mari. En ce moment ici, pendant que je parle, évitez de regarder vos maris s'il vous plaît. Même ton mari n'entrera pas dans la tombe. Ma soeur, dis-moi, parle. Tu vois, lorsque tu vas mourir, si toi tu meurs avant ton mari, après le deuil, on va le consoler. La famille va le consoler. Les hommes eux-mêmes ont compris. Voilà, regarde les hommes, regarde. Tu as vu comment ils regardent? Eux-mêmes, ils ont compris. On va le consoler. La famille va le consoler. L'église va consoler. La haine à ma campagne va consoler. À un moment donné, lui-même va dire, il y a consolation. Merci. Lui-même va dire, non. Il y a consolation et consolation. Toutes les consolations ici. Personne ne m'a touché même à l'épaule. Ah! Qui peut me consoler? Et ce sont seulement tes voisins. Tu vois tes voisins? Qui viendront lui dire, ah frère, si tu restes comme ça, tu vas pécher. On a déjà trouvé quelqu'un. On a déjà trouvé ta remplaçante. Dans les parages. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Personne n'acceptera d'entrer avec toi. Même ta fille aînée, ton fils, il t'aime. Mais il n'entrera pas dans la tombe avec toi. Tout ce que tu vas gagner sur terre n'entrera pas avec toi. La gloire du monde va s'arrêter lorsque toi tu seras dans la tombe. Mais il y a une gloire que tu as à l'intérieur de toi. Elle va aller avec toi après la mort. Elle va traverser avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, que les élus me donnent un amen. Amen. Si tu as été sauvé par la croix, donne-moi un amen. Le seul amour qui va traverser avec toi après la mort, c'est l'amour de Jésus. L'amour de ta femme ne pourra pas. Le seul amour qui te dira, viens, je t'amène, c'est l'amour de Jésus. La seule grâce qui va t'accompagner après ta mort. Et tu pourras être dans le lieu de repos. Tu ne seras pas tourmenté. Tu ne seras pas un esprit errant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon frère, le ciel est réel. Protège ton alliance avec Jésus. Jamais sans Jésus. Mais tout pour Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Aujourd'hui, on doit arrêter seulement de vous dire que vous êtes des lionnes. Vous réussirez, c'est vrai. Vous êtes des lionnes, mais vous êtes aussi des aigles. Et vous ne devez pas oublier que vous êtes des aigles. Mon frère, ne fais pas du mal à ton frère, tu es un aigle. Tu as un ciel à protéger.
Ne détruis pas l'autre. Toi, tu as un ciel à protéger. Ne fais pas du mal pour que toi, tu prennes la place de quelqu'un. Tu as un ciel. Oh, dis-moi, dis à 5 personnes, j'ai un ciel à protéger. Est-ce que tu parles à 5 personnes? Est-ce que quelqu'un entend? Ne fais pas du mal à ta femme, mon frère. Tu as un ciel à protéger. Ma soeur, tu as un ciel à protéger. Si tu ne vis pas dans l'impudicité, dans l'adultère, ce n'est pas pour faire plaisir à ton mari, pour faire plaisir à ta femme. Tu as un ciel à protéger. Des fois, quand tu regardes ton mari, ta femme faire des choses bizarres, tu as envie de réagir, tu regardes, tu dis, merci, j'ai un ciel. Je peux répondre, je peux réagir, j'ai les armes, je peux agir. Tout le monde me donnera raison, mais j'ai un ciel. Au-delà de tout amour, il y a le ciel que tu dois protéger. Celui qui sert Jésus, je dis, sert Jésus encore. Celui qui aime Jésus, je dis, aime Jésus encore. Ne lâche pas Jésus, sers avec autorité. Tu as un ciel. Dis à un frère, écoute, le pasteur va finir, retiens ça. Les deux choses que je voudrais que tu retiennes aussi, c'est que les élus que nous sommes, nous vivons la réalité du miracle de Cana. Nous vivons sur la terre comme des eaux. Et au ciel, nous vivrons comme du vin. Le miracle de Cana, c'est la réalité des élus. C'est la réalité des enfants de Dieu. Sur la terre, c'est comme de l'eau. Tout le monde a besoin d'eau. Tout le monde a besoin d'eau. Même après avoir pris du jus, tu auras besoin de l'eau. C'est ça un enfant de Dieu. Mais nous avons aussi une autre dimension. Dans le ciel, nous serons de vin. Les vins agréables. Ne perds pas ton ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aime ton frère, mais si tu dois l'aimer plus que Jésus, change ça. Aime ton pasteur, mais si tu dois l'aimer plus que Jésus, tu changes ça. Je n'ai pas entendu. Je n'ai toujours pas entendu. Aime ton pays, mais si tu dois aimer ton pays plus que Jésus, tu dois changer ça. Tu ne dois rien aimer plus que Jésus. Et toi qui ne sers pas Jésus, j'ai fini en te disant ceci. Tu peux bien entrer au ciel parce que tu as donné ta vie à Jésus. Mais quand tu ne sers pas Jésus, c'est toi qui perds. Parce qu'au ciel, il y aura des récompenses. C'est écrit. Il y aura des récompenses et les récompenses seront données autour du trône blanc. C'est comme ça que les Apocalypses l'appellent. Le trône blanc. C'est le trône où sera assis Jésus ce jour-là. Il n'y aura pas le sang à côté. Oh, le sang de Jésus, il n'y en aura pas. Là, ça sera maintenant la gloire du lion. Il sera sur un trône tout blanc. Et il appelle un à un. Il n'appelle pas pour le jugement. Ça, c'est un enseignement de nos frères. Ce n'est pas correct. Il appelle les élus, ceux qui sont déjà sauvés. Mais maintenant, il appelle pour te donner des cadeaux. Et il va te demander, « Monsieur, quel est votre nom ?»« Moi ?» Même ton nom, tu vas l'oublier. C'est Jean-Marc. Jean-Marc, tu as servi. Puisque tu es au ciel, c'est que tu es sauvé. Oui, je suis sauvé. Gloire à Dieu, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Parce que tu dois avoir des récompenses. Tu vas voir des hommes comme Billy Graham passer avec des récompenses. Des hommes comme Heidi Nabala, on va leur donner des récompenses. Des choses extraordinaires dans le ciel. Comme la Bible dit, ils vont briller comme les étoiles dans le ciel. Toi, tu viens portier. Tu es au ciel, mais tu es, mon frère, même sur la terre, tu n'étais pas portier. Au ciel, tu es portier. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Jésus, j'ai donné la dîme. Tu as donné la dîme? Tu n'as pas donné d'abord. Correction, tu as payé. La dîme ne se donne pas, elle se paye. C'est-à-dire, ce n'est pas à toi. Donc ça, ce n'est pas servir Dieu. Non, Jésus, j'ai... Pendant que nous serons récompensés. Oh oui, je te dis que nous serons récompensés. Oui, oui, nous serons récompensés. Mon frère, nous servons Dieu en ordre et en désordre. Nous serons récompensés, forcément. Sers Jésus. Ne dis pas seulement je gagne les âmes. Sers Jésus dans une église locale. Trouve quoi faire pour ton Dieu. C'est ton Dieu à toi. Tu ne sers pas Jésus pour le pasteur. Tu ne sers pas Jésus pour les hommes. C'est ton Dieu à toi, sers Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que tu sois récompensé dans l'éternité. Mon frère,
que l'argent ne t'éloigne pas du ciel. J'ai entendu un amen. Dis au frère derrière toi que l'argent ne t'éloigne pas du ciel. Que les femmes ne t'éloignent pas du ciel. Que les hommes ne t'éloignent pas du ciel. Les biens de ce monde, que ça ne t'éloigne pas. Jésus est toujours Jésus. Accroche-toi à la meilleure alliance et sers Jésus pour être récompensé.